Allez, on y va. On parlera string ficelle et slip de grand-père plus tard. Salut YouTube, on est de retour sur Subsistance. C'est génial. La base est toute pétée. Non, j'exagère, elle est pas si pétée que ça, mais si jamais ils rattaquent, là c'est sûr que ça va grignoter dans les murs, dans les sols et tout ça. Alors, déjà, en priorité. Moi je dis en priorité. Le poulailler. J'allais faire l'éolienne en priorité, mais non. C'est pourru? Bah oui, mais bienvenue Pascal. C'est pourru. J'ai pas compris. C'est de l'anglais? C'est du franglais? Voilà, poulailler, c'est fait. La foreuse aussi, elle avait pris. Il me semblait bien, juste avant qu'on commence, je vous avais dit qu'il y avait des trucs à refaire. Il me semblait bien qu'il n'y avait pas que le poulailler, l'éolienne et la base. Ah, le bois, évidemment. On n'a plus de bois, comme d'hab. Je pars trop confiant là. J'ai pas le côté craintif que j'ai généralement quand j'arrive sur le jeu. Et c'est pas bon signe. Je sais pas, je pars trop vite là. Le café a pas encore fait effet. Je sens que dans quelques minutes je vais crever. Le F8. Et j'ai pas réparé le poulailler et la foreuse. Si! Je viens de le faire. Je vais aller voir. Si, j'ai réparé. Je viens de le faire. La foreuse, il manquait un peu, mais... Mais le poulailler, il est bon. Si tu pars sans rien réparer, tu vas voir la prochaine attaque. Ah ouais, non, je vais réparer. C'est objectif premier, là, sur cette première heure. C'est réparer la foreuse. Foreuse, base, éolienne. Comment on appelle un original avec un fusil? C'est ça, c'est un original. Mais je vous disais qu'on m'avait laissé un com sur YouTube et qui était en rapport avec, avec l'élan. C'est comme ça. Apparemment, ils appellent ça un original au Canada, au Québec. Je sais pas si tous les Canadiens utilisent ce terme. Les Canadiens anglais. Original, ils doivent dire, à Toronto. Et au Québec, un original. Ah, un orignal! Pas un original! Bah ouais, mais vous me mettez des mots que je connais pas, donc moi forcément, mon œil voit orignal, mais mon cerveau associé à original. Un orignal! On va faire un raid aujourd'hui. C'est possible, on a deux grenades de côté. Si on tombe sur une maison, on le fera après, je vais pas chercher à faire ça pour l'instant. Pour l'instant, ce que j'aimerais bien faire, ça serait à la fois continuer à améliorer l'arc pour vraiment avoir une arme surboostée, et j'aimerais bien que ce soit l'arc, comme ça coûte pas énormément en ressources, vu qu'on récupère de ci, de là ce qu'on a besoin pour faire les flèches. Et merde. Et je ne sais plus. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est sympa. Les poules qui nous dropent des trousses. Un orignal donc. Là, je connaissais pas le terme. A chaque fois j'oublie que je change ma touche pour me mettre accroupi. Que j'ai changé ma touche pour me mettre accroupi. Donc j'avais dit l'autre jour que ça redonnait 80 à chaque fois. Là sur le poulailler et sur la foreuse, j'ai pas fait gaffe. Faut que je fasse gaffe pour essayer de pas trop péter les ressources n'importe comment. Voilà, genre là j'en remets pas. Là c'est bon. Je crois que j'avais vérifié les murs blindés, il me semble. Ouais, je vais vérifier tout ça, je crois. Le mur là-haut. Hop. Économie, hein. Ah. Ah oui, d'accord. J'avais mis la caméra basse, du coup j'étais trop loin. La prochaine fois que je jouais une clé mort, ah bah je réessayerai de la désamorcer. Ah, je m'en doutais un peu qu'on pouvait pas la désamorcer, hein. Quand je me suis approché, il y avait pas de comment dire,
Il n'y a pas de notif qui popait pour nous dire appuyer sur telle touche pour désamorcer. Et d'ailleurs, je voulais pas forcer hein, quand j'ai pété dessus l'autre jour. Je voulais m'éloigner en m'éloignant, elle m'a pété la gueule. Par contre, c'est un peu con et ça, j'espère que le développeur. Ou alors j'ai mal vu, peut-être. Mais si j'ai pas mal vu, j'espère que le développeur fera en sorte que les animaux pètent sur les clés morts quand on les attire dessus. Après, peut-être que si c'est nous qui la posons, la clé mort, elle pète. Ah bah non, il a rien le bordel à hélice, plus communément appelé éolienne. Là, il me semblait qu'il avait quelque chose. J'avais vérifié ça et ça c'était bon normalement. Ok, bon F8. Ça c'est bon, on va pouvoir partir un peu à l'aventure. Je vais refoutre mon... Attendez, juste je recheck parce que je psychote. Je vois pas de fissure nulle part, donc ça devrait être bon. Les fondations, je regarde jamais les fondations. Normalement c'est le plancher, mais on a la, comment dire, le mur là et la fondation là. Voilà. On peut pas voir de l'intérieur vu que c'est ma prochaine pièce. Et je me mettrais bien là-dessus. Merde. Bon c'est pas grave, j'avais pas assez de bois et tant mieux. J'avais pas besoin d'en mettre un coup. Je mettrai bien sur la prochaine pièce de la base. Peut-être pas ce soir, mais assez rapidement. Cartouche de pompe, on garde. Ça, on garde. Le crochet, on va partir un peu en exploration. J'aimerais bien tomber sur un coffre comme ça, ce serait bien. Et du coup, peut-être faire un raid, si jamais on tombe sur une base. Poulailler foreuse réparé, ouais. L'eau, ça attendra la prochaine journée. Ouais. Hop, ça c'est rangé. Et je vais checker quand même le BCU, il me semble que j'avais un autre truc en tête. Parce que là, si jamais je veux encore augmenter le... Si je veux encore augmenter le gun, ça me coûte combien? Pas le gun, l'arc. Six cordes, 4 lingots. Les 6 cordes, on doit pouvoir les faire. Et les 4 lingots. Les 4 lingots, je crois pas. On a de quoi en faire 2, il me semble. On va regarder. Attendez, je vais regarder là directement. Je vais récupérer ça aussi, ce sera mieux hein, pour continuer. Ouais, 10 de fer, on en a 20. 10 et 5. Vous savez quoi, je vais quand même faire les lingots maintenant. Voilà. Et quand on aura récupéré un peu plus de fer, on pourra refaire. On pourra refaire le lingot manquant. Ouais, là ça farme du fer. Ok. Je vais juste attendre que. Ouf, non, je les laisse là, on s'en fout. Ouais, je les laisse là, on s'en fout. Je check quand même rapidement ça. Alors, il y avait le four, mais ça peut attendre encore. La foreuse, mais apparemment je l'ai pas améliorée à fond la foreuse. Je vais regarder, mais je crois que j'ai amélioré qu'une en fait. Ah non, j'ai amélioré les deux. Il me semblait qu'on m'avait dit que avant de faire une deuxième foreuse, fallait déjà améliorer la première à fond, mais je crois que c'était un com YouTube qui faisait référence à une autre vidéo assez ancienne peut-être. Des flèches grenades plus faciles à viser la porte. Ouais. Hop. Flèche grenade. Ouais, je vais regarder avant de prendre les ressources. Ok, il faut juste les flèches. Donc deux flèches haute qualité et 4 cordages. 1, 2, 3, 4. Ça, je vais le prendre pour faire mes cordes. 1,
Allez, merde, il me refaut. Alors, attendez, ce que je vais faire. Vas-y, divisons deux. Voilà. Corde. Ouais, bon, ça sert à rien ce que je viens de faire, j'avoue. Voilà. Comme ça, j'aurai toujours mes cordes pour faire mon bordel. Et ils m'ont fait combien, là? Ils m'ont fait 5. Ouais, bah, il me restera une corde à faire. Ok. Il me restera une corde à faire. Ah, mais j'ai plus de flèches... Si, elles sont là. J'ai rien dit. Non? Ah, attendez. J'ai plus de flèches avancées? J'ai plus de flèches avancées. Supérieures. Ah oui, ça va me bouffer... Ouais, ça va me bouffer que 4. Ok. Ok. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Ah oui, j'ai oublié les ferrailles. Voilà. Et ensuite, avec ces deux flèches supérieures, 4 cordages. Que j'ai foutu je sais pas trop où, que j'ai refoutu dans le coffre, on pourra faire les grenades. Les flèches grenades. Voilà. Ça, je le refous là. Je vais mettre là plutôt. Ah, ça, tant qu'à faire, je vais le remettre là. Hop. Essayer de montrer comment on fait pour utiliser la masse et l'électricité des chasseurs. Faudra me le rappeler quand je serai dans une base ennemie. Mais bah en fait c'est pas dur, il suffit juste de se mettre sur leur établi et puis de craft quelque chose. Donc genre pour économiser, alors rapide tuto à l'arrache que pas grand monde ne comprendra, ça se trouve. Essayer de faire clair. Ça craft là ou pas? Voilà. Donc genre, vous rentrez dans une base ennemie. Donc admettons que cette base là, c'est une base ennemie. Vous arrivez, vous pétez la porte, vous rentrez, il y a un atelier. Vous vous mettez sur l'atelier. Si dans votre inventaire, vous avez les ressources pour faire un lingot de métal, vous cliquez et vous pouvez normalement faire le lingot de métal. L'intérêt c'est quoi? L'intérêt c'est de bouffer l'électricité là et la masse de la base qu'on a raid, donc de la base des chasseurs. L'intérêt c'est d'économiser notre électricité à nous et notre masse à nous en fait. Après le truc contraignant c'est qu'il faut qu'on se promène avec des ressources. Donc genre si jamais on veut faire par exemple quelque chose qui coûte cher en ressources. Voilà, par exemple si on veut faire la pile qui va nous péter 350 d'électricité et 50 de masse, faut qu'on se promène, faut qu'avant d'aller raid on ait sur nous les 6 de zinc, les 8 de potassium et les 2 d'adhésif. Voilà. Petit système D. C'est clair ce que je viens de dire ou pas, en fait? Oui, ça va? Bon. Et c'est pas con, j'y avais pas pensé. Hein. C'est quelqu'un qui... C'est qui me l'a dit sur le chat l'autre coup? C'était toi ou pas, Ayo? Je sais plus c'était qui. Mais en tout cas, c'est... C'est fortement utile si on est un peu à la dèche en électricité et en masse. Donc je range ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Et on peut y aller, enfin. On y va. Ah, après que la porte soit ouverte. C'est mieux. Hein. Faudra surveiller les poules, j'en ai une qui est de level 8. Est-ce que par hasard c'est revenu ça? Ou pas encore? Non. D'accord. Alors, le jeu mise pas du tout sur le réalisme, hein. Mais justement, en parlant de réalisme, c'est faisable ça?
une flèche avec une grenade au bout. Pour ceux qui s'y connaissent en physique et en arme spéciale, pour moi la flèche elle tombe direct avec la lourdeur de la grenade. J'ai le temps. J'ai eu le temps. Non, c'est pas possible. Y'a pas moyen de bricoler un truc comme ça. Je ne sais pas pourquoi je viens là. Je vois de l'eau, je veux remplir mes gourdes, mais j'ai pas de gourdes. Bon, après, faut quand même réussir à la... à l'attendre sacrément fort, la... la corde. Pour pouvoir la... pour pouvoir éjecter la flèche avec la grenade debout. Je sais pas où je vais là, j'ai pas de chemin prédéfini. Je vais complètement à l'arrache et comme par hasard, je tombe sur une base. C'est la destinée. On est d'accord. On est d'accord que c'est le destin. Je vous jure, en plus c'est vrai, j'ai pas fait exprès. Ah. Oh. Ah, c'est la forteresse. C'est la forteresse qui se monte, c'est ça? Oh, regardez. Il est là-haut, il est en train de farmer le bois. Oh, il m'a vu. Mais on fait style de rien, on s'en va tranquillement. Regardez, il y a un lapin qui se barre. Ça, c'est le signe qu'il approche. Il nous a peut-être pas capté, hein. Il a entendu le bruit de la flèche qui passe, il s'est inquiété, mais... Regardez, il a pas capté, il s'est remis en position. J'aimerais bien lui mettre un one de loin. Regardez, il va couper du bois. Oh, il va nous capter. Il va sur l'arbre juste là. Ah putain, la hitbox, elle a été généreuse, hein. Parce que moi, quand j'ai lâché la flèche, je pensais que ça allait juste arracher l'oreille. Cool. Bon, j'ai consommé plus de flèches que ce que j'espérais, mais c'est pas grave. Ça les ralentit, hein, pour la construction de leur forteresse. La forteresse, elle avance encore moins vite que chez moi. Bah oui, mais c'est compliqué à faire. Vous imaginez pas les matériaux qu'il faut. Non, puis c'est très bien que ça soit lent. Ça fait un... Alors, on n'est pas sur un jeu réaliste, mais ça augmente le réalisme par rapport au jeu, en fait. Enfin, par rapport à la cohérence de l'ensemble du jeu. Ils farment, et donc il leur faut quand même pas mal de temps pour pouvoir monter leur forteresse. Bon, un petit F8 qui fait plaisir. Je sais où elle se trouve déjà, c'est pas mal. Ou non. Mais non, je me promène complètement au pif là, donc oh, je saurais qu'elle est elle est à l'ouest, complètement à l'ouest de notre base. Voilà. Si on se réfère à la diagonale là, en se mettant là-haut, ça tape sur notre base qui est là-haut. Ouf, quoique. Ah, c'est nord-ouest. Attendez. Je vais m'y mettre directement. Voilà. Ouais. C'est nord-ouest par rapport à notre base. Donc dans 5 ou 6 heures de jeu, on repassera, on ira direction nord-ouest, tout droit nord-ouest, et on tombera sur leur forteresse qui, à mon avis, sera terminée. Et je la pèterai, leur forteresse, hein, je l'annonce direct, hein, du premier coup. Pour les gens du VOD, ce sera du premier coup.
vous sur Twitch, je sais pas, mais ça serait top de pouvoir dissimuler des explosifs. Genre pour plus tard, quand la forteresse elle est finie, on met le pain de C4 sur un intérieur de mur. Et quand ils ont fini la forteresse, on le fait péter. Ouais, j'avoue, ce serait pas mal, mais... Ah, ce serait un peu con, enfin. Ce serait un peu visible de la part de l'IA. Hein. Regardez! Un orignal! Un petit orignal! Dans la tête, l'orignal! Raté. Chier. Est-ce que je vais réussir à... Oui, génial. Oh! Il était trop lent. Sa lenteur lui a sauvé la vie. Ça reportait pour mieux sauter, hein, l'orignal. De la bonne viande. Tendre et apprécié. Oh! Il est où? Oui, j'en oublie pas ma bête, hein. Je sais pas où il est, ce con qui m'a tiré dessus au fusil à pompe. C'est très bizarre qu'il m'ait lâché, hein. Arrête! Il monte le rocher! Ah non! Putain, il m'a embroché! Regardez-moi ça! Il me souille! Il me souille! Voilà quoi. C'était bien. Putain, il est coriace le bestio. Je lui ai mis 3 ou 4 pops au moins. Ouais, j'avais fait F8. Je sais pas à quel moment, mais j'avais fait F8. Ah la vache, comment il m'a déglingué. Ah. J'avais fait F8 juste avant de tuer ce mec. Qui, heureusement, vise assez mal avec son pistolet. Par contre, maintenant, on sait qu'il y en a un autre. On refait F8. On sait qu'il y en a un autre pas loin. J'ai pas de flèche supérieure, là. Enfin, j'en ai, mais elles sont avec les grenades. Non, moi, je chasse à l'ancienne avec les flèches qualité... Echo plus. Donc au bout d'un moment, en fait, il s'énerve et il nous rush. En fait, c'est ça le truc de l'orignal. Voilà, je l'ai eu. Ah non, le con, il s'est arrêté.
Je l'ai déglingué. Ouais, j'ai eu de la chance, il était un peu bugué dans la colline. Bah ouais, mais moi aussi, je galère des fois à grimper hein, dans les collines en même temps. Chacun sa merde. Hein. Alors normalement, ce qui a été corrigé par le développeur, c'est que maintenant les animaux, on peut les découper dans l'eau. Avant, on pouvait pas. Merci, merci. Moi je l'ai plutôt pas trop mal géré, pas l'ours, c'était assez facile mais... Ouais, je l'ai pas trop mal géré l'élan. Il était assez loin et j'arrivais à retomber mes flèches dessus. C'est un peu plus... Ouais, je les ai lavé les mains. c'est un peu plus facile avec l'arc là en fait, vu que la retombée de flèches elle est moindre. Je me demande si à cette distance j'arriverai à. Combien j'ai de flèches? Une. Oh non, c'est naze. Ouais, bon, j'essaye pas. Il me faut une poule. Il me faut une poule. Par contre, là, ça me fait chier. Il va falloir que je traverse à la nage si je veux aller de l'autre côté. Ou alors, faut que je fasse tout le tour et c'est chiant. Mais c'est moins chiant que de nager. Une poule. Pop, 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 pop. En fait, qu'on tire dans le cul ou dans la tête, c'est pareil sur les poules, j'ai l'impression. Là, je vais tirer là. Dans le plexus de la poule. Et ça aurait dû la tuer. C'est peut-être la distance, en fait. On m'avait parlé de la distance aussi. Parce que la distance, il y a une force d'impact qui est moindre. Ça, c'est sûr. Enfin, je sais pas si ça le fait sur la poule aussi, mais... Sur les ennemis, ça le fait, c'est sûr. Parce que moi, ça fait un moment quand même que j'essaie de leur viser le fion aux poules. Pour essayer de pas les tuer. Mais je m'aperçois maintenant que ça sert à rien. Il faut juste prendre de la distance. On va en profiter pour péter l'arbre là et... Voilà, je vais aller ramasser la caisse avant des fois qu'elle dépop. Qui c'est qui a du PQ au bout de sa barbe? Le bonhomme? Que j'ai tué? Moi? C'est normal, des fois je dis de la merde. Faut que je m'essuie. C'est possible que j'ai un bout de PQ qui traîne dans la barbe. Ça m'arrive. Ah, dans ma barre de raccourci. Bah oui, bah j'ai vu barbe. Ah oui, dans sa barre. Mais ça peut m'arriver d'en avoir dans la barbe, pour le coup. Quand je dis de la merde, des fois, c'est voilà, quoi. En bref. Ça ressemble vraiment à un PQ, le bandage. Ouais, en même temps, dans la vraie vie, un bandage déroulé de cette façon, t'as l'impression de voir un peu un rouleau de PQ, hein. C'est pas la glotte, le coup du poulet. Non, c'est le plexus. C'est le plexus du poulet. Regarde, encore dans le plexus. Hop là, dans le plexus. Bah, c'est dans le plexus du cou, en fait. Un peu plus haut. Ah mais il bouge le poulet. Attendez, avant ça le faisait pas hein. Avant ça le faisait pas. Avant la dernière mise à jour ça le faisait pas je crois hein. Il me semble pas que quand le poulet on le blessait il était comme ça en train de bouger un peu. La pauvre bête. Fallait le tuer, il souffrait. Vas-y, fais-moi des bâtons. Bon, on repart vers là-haut, hein. C'est là-haut que je veux aller, hein.
Enfin, peut-être que je m'attarde un peu sur les pierres aussi, tant qu'à faire, autant... autant farmer un peu. Si possible, du fer. Il m'a fait tous mes bâtons, là. Ouais, bah avec ça, je vais pas aller chier loin. Le lapin, je m'en fous. Ça, par contre, j'en veux bien. Potassium. Bah non, c'est du fer. C'est ouf. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, sérieusement, hein, est-ce que quelqu'un a remarqué s'il y avait un changement au niveau de la couleur des textures des minerais, potassium et fer? Parce qu'il me semble qu'avant j'arrivais à les différencier. Et là, à chaque fois, je sais jamais si c'est du potassium ou du fer. En même temps, je les examinais pas autant les poulets avant. Ouais, mais je sais pas. Là, je l'ai vu direct, en fait. Potassium, c'est blanc très éclatant. Ouais, je sais. Et blanc un peu plus mat pour le fer, mais... Je suis daltonien, donc... je vois bien que c'est blanc, après, la différence de... Comment dire? La nuance... La différence de nuance qu'il y a entre les deux, j'ai l'impression que je l'aperçois pas. Et avant, j'avais l'impression que je l'apercevais. Il va bientôt faire nuit, là. Bon, au final, j'aurais pas fait autant d'exploration que ce que je voulais, mais j'aurais fait beaucoup plus de chasse que ce que je voulais. Je vais aller vers le gros arbre qui est en face, là, et comme il y a des rochers, il y aura peut-être des ressources. T'as pas vu de différence? Tu confonds toujours le zinc et le zinc et le potassium. T'es daltonien? Moi, le zinc et le potassium, je vois bien la différence. Hein. Le zinc, c'est un peu bleu ou violet. Ou mauve. Enfin, dans ces trucs-là. C'est ça? Fous-moi la paix! Merde! Il est derrière! Bah oui! Il y a encore? Il est barré. Espèce de lâche. Tu l'as pas toujours bleuté le zinc en jeu? Hein? Ah, c'est un petit bug alors, parce que moi il est toujours bleu, je crois. Hein. J'étais pas sûr si c'était bleu, violet ou mauve. Pareil, les trois couleurs là, j'ai un peu de mal. Ah, bordel! Fous-moi la paix, merde! Allez, fous le camp! Ta mère la louve. Il est encore là. Hein. Ouais, je me le fais. Je vais le mettre comme ça, si jamais il se pointe, il me fera pas le cul en scred. Salut mon petit, bienvenue. Minuit pour Resident Evil. Bienvenue Majestic. C'est un ours. Alors pour le coup, je repense à ce qu'on m'a dit l'autre jour. C'est vrai que c'est pas ouf la portée de la lumière en fait. Faudrait que ça soit un peu augmenté. Faudrait que genre là, je puisse éclairer l'ours un peu plus. Parce que là en fait, ça l'éclaire pas du tout.
faut que vraiment il y ait une plus grande utilité à la lumière. Moi bon, j'utilise quand même parce que ça fait stylé je trouve. D'avoir la torche comme ça. Ah la vache. Allez en haut. Ah. Ah. Et fuite, tout à fait. À ne pas négliger. Ah, je croyais qu'il y avait un truc là. Non. Bah non. Mais merde. Je viens de la réparer. C'est l'autre trou de balle que je viens de tuer peut-être. Non. Et puis là que j'ai plus d'endurance. Et puis lui va me faire chier. Ah, puis là qu'il pleut, je vais avoir froid. Merde. Ah, un ours. Putain, mais elle est loin, en base. T'es sérieux, il vient pas? Non, il vient pas, hein. Il vient, mais en marchant. Mais il marche. Ah, la vache, ils sont en train de la pilonner depuis tout à l'heure. J'ai entendu boum. Ah, puis je vois rien! Et fuite! Je vois pas où ils sont. Allez! Ah, puis ça m'hypnotise la pluie là! Ah, ils ont tué ma poule. Ah non. Non, elle picore, elle picore. Elle est de level 10, on va la tuer. Ah, bien, ils m'ont livré des flèches. C'est cool. Génial. Il y en a encore une là. Putain, c'est stylé, ils m'ont mis des flèches partout. Bon, là, c'est un peu fissuré. Bah, ça va, en fait, ça va. Ils ont rien cassé. Ils ont rien cassé. Ils ont pas tué de poulet. Enfin, ils ont rien cassé, c'est vite dit. Hein. Ils ont un peu gratté quand même les murs et tout ça, mais... Mais ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ah, ils ont un peu picoré ça encore. Viens là toi, viens là, viens là, viens là. Crève. Voilà. Donne-moi, 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 donne-moi. Plume supérieure, 7. Bon, chauffons la viande avant qu'elle soit périmée. C'est du poulet qu'on a depuis tout à l'heure et... Et qui, à mon avis, va bientôt se périmer. Ouais. Putain la vache. Il est en train de crever de froid le pauvre bonhomme. Vite, vite, vite. Le poulet se périme. Vite. Merde. Ah, la bois, ça fait du bien. Ils font de la graisse. Les foies, vite au frais. On mange ça. On mange ça.
C'est des stacks de... D'accord, c'est des stacks de 5. On va cuire ça pour plus tard. Ça pour plus tard. J'avais pas ramassé des planches tout à l'heure. Un petit oignon, c'est bon. Un peu de varech. Voilà. Ça, c'est complètement vide. Les plumes, les plumes, les plumes. J'ai perdu la viande, le poulet entier dans l'herbe. Dans ma barre. Ah oui, dans ma barre. Bien vu. Ouais, je pense jamais dans la barre. Pareil, les planches, je savais bien que j'en avais ramassé, je les cherchais. Je les voyais pas. À chaque fois qu'il y a un truc là-dedans, je le calcule pas en fait. Ma viande. Hop. Voilà. L'entrecôte pour plus tard. Les petits godins pour plus tard. Ça, on boit. Ça, on en fait de l'huile. Hop. Ça. Ok. Merde. Putain, je croyais qu'il était cuit. J'essaie de surveiller à chaque fois pour... Ah bien, j'ai des cartouches là. Il y a de quoi faire des balles. J'essaie de surveiller pour... Pour pas perdre de... De viande en la faisant cramer, mais bon. Voilà. Nickel. La cendre, on va la récupérer pour les plantations. Il m'en fallait combien? Les poules, je sais pas si elles ont à manger. Ouais, quoi qu'il en soit, il va falloir en remettre. Elles en ont pas assez, c'est sûr. Pareil pour l'eau. Ah, elles ont un peu soif. Oh la vache, 6 tomates. 6 tomates de bouteilles d'eau, elles ont même pas encore tout. Ouais. Va falloir réparer aussi. Non, là. Les œufs. Si, les graines. Les graines, je suis con. En même temps, c'est de la graine de tomate. Je sais pas si en haut j'ai que des tomates ou pas. Oui, j'aime bien ranger comme ça, j'aime bien. J'aime bien. Je sais plus c'était pourquoi qu'il me fallait du fer. Level 10 Non, level 10, le poulet, j'en ai tué un.
Et voilà, et là j'en ai il y en avait un dedans, il y en a deux là. Enfin, il y en avait un à cet emplacement et là il y en a trois. Donc j'ai tué un poulet et l'autre, je sais pas où j'ai récupéré. L'arc, oui, c'est ça, c'était l'arc. Bien vu. Alors attendez. Déjà, il faut que je fasse le lingot là, donc ouais. 1 2 3 4 5, on retire là. On fait le lingot, hop. Et une fois qu'on aura le lingot, il fallait je ne sais plus quoi. Quelle heure, hein? Ah oui, donc les 6 cordes. Ah, mais si, c'est bon. 6 cordes, 10 composants et 6 pièces d'armes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Les cordes, on en a 5 là. On a encore des tendons. Donc on en refait une. Ah oui, évidemment. Oh, pichy. Il me faut un cordage. Et les deux là. Putain, j'ai plus de place. Voilà. Et là, normalement, on peut améliorer. Non, j'ai oublié les pièces d'armes. Oh putain, j'ai plus de place. Il y a trop de bordel, je m'y retrouve plus. Je suis perdu. Trop de bordel. Qu'est-ce qui me manque? Pourquoi il me manque une corde? J'en avais 5, j'en ai fait une. Je l'ai pas faite. D'accord, je l'ai pas faite. Oui, je l'ai pas faite parce que j'avais pas les... Oui, voyez, c'est bon, ça me revient. Je l'ai pas faite parce que j'avais pas la place pour mettre les cordages. Et les flèches. Il y avait ça qui était en stand-by depuis tout à l'heure aussi. Et là, normalement... Ah, 1300 d'électricité qu'il faut, mais t'es sérieux? Ah bah je les ai, 1301. Et il faut 100 de masse? 140. Ah, fais chier. Voilà, deux fois plus d'énergie et la masse en même temps qui tourne, comme ça, ça va... Ah, ça consomme quand même encore de l'énergie, hein. Ça consomme quand même encore de l'énergie, ça tourne pas. Je vais stopper un peu la foreuse. Oh, ça fume, ça fume, ça fume. Ah, t'es sérieux, ça baisse encore? Mais c'est quoi qui bouffe? Il est où mon BCU? De 19 pour 2, 72 d'utilisé. Ah, c'est mes jardins. Hein. Éteint. Éteint, il fait jour, on s'en fout. Alors, tant qu'à faire. On va mettre l'engrais. Voilà. Comme ça, je peux remettre la cendre. C'est ça dit. Ça grimpe ou ça grimpe? Bon, ça grimpe pas, mais... Ah, ça descend. Ah, c'est un truc de ouf, c'est ouf, hein. Que j'utilise la viande pourrie pour faire de la masse. Je peux pas, j'ai pas de recycleur. Bon, je vais faire l'aller-retour en vitesse, chercher la flotte. Pour hydrater tout ça. Et comme ça, quand on reviendra, à mon avis, il y aura le compte au niveau masse. Et on n'aura pas besoin d'attendre longtemps pour l'énergie. Un coup que le...
générateur de masse sera arrêté, l'énergie remontera. Voilà. Il me semblait que j'avais deux lignes de jerrycan. De gourde. Bizarre. Une trousse. Bizarre. La poudre. On n'a pas la place, évidemment. J'ai bouffé la tomate, hein. Allez, je bouffe la tomate. J'ai toujours pas la place. J'ai toujours pas la place. Allez, on vire ça. Ah si, je l'avais la place. La barre d'accès rapide, merde. Ah, je l'oublie toujours, cette con là. Bon bah alors, comme il reste encore un emplacement, on peut couper du bois. 150 clous transformés en masse. Allez, on fait le générateur de masse après. On fait le recycleur de masse après. Je finis l'arc là. Je renforce l'arc. Et après, on... la prochaine heure, on se mettra sur le recycleur de masse. On m'avait dit que c'était pas super utile. Et c'est vrai que c'est pas forcément super utile, mais dans certains cas, ça dépanne quand même. Hein. Là, je suis obligé de faire tourner le générateur à donf, donc de consommer 3 fois plus de carburant. C'est juste pour avoir rapidement les 140 de masse. Et maintenant il nous manque 100 d'électricité. Mais ça va remonter assez vite, vu que je viens d'éteindre le générateur de masse. Bref. Hop. On va aller ramasser les tomates. Et on replante. C'est bon, on a le con. Nickel. Ah oui, ça consomme bon. Ça, c'est vrai. L'eau n'est pas stérilisée, donc du coup, elle hydrate moins. Oui, il manque une graine. Et donc j'ai que des tomates en fait, hein, donc j'ai plus besoin de conserver les graines de tomates. Alors attendez, il y a un truc qu'il faut que je fasse aussi. Bah pas maintenant parce qu'il faudra réparer. Mais il faudrait que je ferme la porte en fait en haut. Parce que si jamais ils arrivent à jeter une grenade, elle tombe à l'intérieur. Au niveau de notre électricité, on est bon. On retire la surproduction pour économiser le carburant. Carburant qu'on va remettre d'ailleurs. Avant que ça tombe en rade. Voilà. On remet ça ici. Là l'eau elle doit être bonne. Pas tout à fait. On reviendra après. Et on améliore notre arc. Pendant ce temps-là, on récupère l'eau. Qui va finir par être bonne? Ça bouille pas assez vite. Bouille, bouille, bouille. Le recycleur est très utile, je trouve. Vu comment le fabricateur de masse pompe le générateur d'énergie, ça soulage grave. Ah bah je sais pas, c'est ce qu'on m'avait dit. Bah le truc c'est que oui si c'est utile mais la masse on en a pas besoin souvent. Uniquement quand on veut améliorer quelque chose pardon. Ou créer quelque chose avec le BCU. Après j'ai l'impression que ça devient de plus en plus utile en avançant sur le jeu. D'avoir le générateur de masse. D'avoir de la masse pardon. C'est bon il est amélioré là hein. Oui. Vas-y vire moi les graines de coton. Bordel. Bon bah voilà. Voilà voilà. Arc niveau 2. Là. Non. Non. Allons hydrater. Ah ça fait chier 86%, c'est bon, ça peut attendre. Là par contre. 3 bouteilles. Ah non, 2 aussi. La cendre, on s'en fout, ça m'épile le compte. Hein. Alors que l'eau, ça vide le...
La gourde complète. Alors tant qu'à faire, je rejette un œil là-dedans. Une gourde. Le caca, les œufs. Allez, une tomate. On a du rap sur les tomates. Hein. On s'en fout. On récupère l'eau propre, on met l'eau sale. Et on commence à stocker l'eau propre. Et les gourdes pour après. Voilà. Nos tomates pour plus tard. Le caca pour plus tard. Ça je les foutrais dans le générateur, hein, toutes ces graines là. Au final elles me servent pas à grand chose. Hein. Coton et tomates, hein, je vais tourner qu'à ça par la suite. Là, les plumes. Non, dans les ressources. Ok. Je vais me refaire deux flèches. On range ça, on range ça. Ah mais j'en ai trois des plumes. Putain, j'avais pas vu. Mais je vais encore avoir un bâton trop, je vais le foutre dans le feu. Et puis on va réparer. Parce qu'on aime réparer. Je vais remettre en route la foreuse et ça aussi. Là, notre fer. Encore et toujours. En bas, la foreuse à remettre en route. Ouais. Un second fourneau pour générer plus de cendres et purifier plus d'eau d'un coup à ce stade du jeu. Ça serait bien utile d'avoir un deuxième four. Et le four, alors en parlant de four, c'est pas le four, c'est le poêle à bois. En parlant de four, le four c'est ça. Est-ce qu'avec le four je peux genre stériliser l'eau? Ça serait possible si on avait une casserole, mais on n'en a pas de casserole dans le jeu. Mais est-ce que genre c'est comme s'il avait une casserole? En même temps il a pas de plat non plus hein, pour faire le poulet. Hein. Il le met pas sur la flamme. Y'a des asticots qui sortent de mon coffre pourri. Mais non, il est pas pourri mon coffre. T'inquiète, ça va servir plus tard la viande avariée. Générateur. Voilà, l'eau c'est bon, le bois évidemment on garde, la poudre on la range, les balles là on les range. J'attendrai d'en avoir 50 des balles. Et après je les déglinguerai à la carabine de loin. Mon bâton il a été fait. Hop, voilà. Et j'ai pas de surplus en bâton en fait. D'accord. On sait que j'allais avoir un bâton qui allait me rester. Ah si, il est là. Donc je le fous là-dedans. Ouais. Ça marche mieux que les bûches, hein, évidemment. Le petit godin qui me sert à rien. Et voilà. Voilà. On aura un petit peu avancé. On aura un arc de niveau 2 qu'on va tester juste après. Et c'est le bon moment pour couper la VOD. Comme ça, la prochaine sera sur les réparations. Je commencerai toutes les vidéos YouTube maintenant sur des réparations, en fait. C'est génial, les réparations. On aime tous réparer. Salut YouTube, à la prochaine !